Est-ce que tu pourrais résumer un petit peu cette proposition de valeur de Ourid ou pour le monde de l'IoT et du M2M en Tunisie? À quoi est-ce que tu la résumerais et quelle est la véritable valeur ajoutée pour le client tunisien qui a aujourd'hui une société et qui souhaite passer par Ourid pour contrôler ses cartes SIM? Merci Samy. Je tenais tout d'abord à te remercier. Remercier toutes les personnes, Manel, l'équipe d'Ericsson qui ont travaillé pour la réussite de cet événement. C'est une réussite parce que c'est un lancement africain. C'est la première fois qu'une telle plateforme de solutions managée est lancée en Afrique. Donc vraiment, c'est une fierté pour nous. En tant que Tunisien, je suis vraiment très fier que la Tunisie soit choisie par le groupe et par Ericsson pour lancer une telle plateforme en Afrique. Aujourd'hui, avec l'expérience client que nous avons, on peut se vanter d'être l'opérateur de référence dans la téléphonie mobile fixe, mais également dans le mobile data. Et Ourid aujourd'hui est le numéro 1, même si j'aime pas trop utiliser cette expression de numéro 1, parce que des fois c'est utilisé à travers, mais nous sommes aujourd'hui, c'est une vérité, selon les chiffres de l'INT, nous sommes le premier opérateur sur le mobile data, la 3G, mais également sur la connectivité M2M. C'est un socle qui nous permet aujourd'hui de proposer des solutions dans le monde du M2M et de l'IoT. Donc j'ai dit fleet management, monétique, agriculture et santé. Voilà, ça c'est les quatre éléments sur lesquels je demanderai à nos jeunes startups et génies à réfléchir à des solutions et à des services, et nous serons plus que ravis et heureux de partager avec eux et réfléchir pour pouvoir justement commercialiser ces services-là dans le cadre de notre écosystème. Nous avons été, comme l'a dit Sam, les premiers à lancer des solutions autour du SaaS, une marketplace Ourid avec des services de software as a service cette année. Il y a quelques mois derrière, à peu près 2 ans, nous avons été, ça peut surprendre pas mal de personnes, nous avons été les premiers à lancer des solutions FTTX, donc Fiber Optic to the Building. Et ça peut étonner les gens parce que nous avons été les troisièmes à avoir la licence fixe en Tunisie, mais nous avons été les premiers à proposer ce genre de solution. Donc, et là aujourd'hui avec le M2M. Donc l'innovation pour nous est un élément qui nous permet de nous différencier par rapport à la concurrence, mais il n'y a pas que l'innovation, il y a aussi l'expérience client qui était importante pour nous. Nous allons céder le mot de la fin à monsieur le ministre des technologies de la communication et de l'économie numérique qui nous fait vraiment le plaisir d'être là, et je vais te laisser l'annoncer. Il ne s'agit pas d'un ministre virtuel, c'est un ministre en vrai, Nao. Avec grand plaisir. Monsieur le ministre Naoumé Ferry, qui nous fait l'amitié d'être parmi nous aujourd'hui. Monsieur le ministre, s'il vous plaît. Merci à vous. Chacun de nous sait que ce monde-là est en train de changer à une vitesse grand V, à une vitesse exponentielle. Pas linéaire, mais exponentielle. Comme vous êtes tous des ingénieurs, c'est très facile à démontrer. Regardez, c'est très facile à démontrer, regardez le temps d'adoption des nouvelles technologies depuis le début du siècle. Les voitures, 30 à 35 ans. Après Internet, 10 à 15 ans. Après Facebook, 5 à 7 ans. Après Twitter, 2 ans. Après Instagram, 6 mois. Après etc., etc. Et quand vous êtes des scientifiques, si vous considérez que the rate of change, R égale 1 sur T, T c'est le temps d'adoption de la technologie, vous trouvez 1 sur un temps qui décroissant, ça vous donne une exponentielle. Oui, c'est mathématique, mais c'est plus que mathématique. C'est vrai. Je vous assure, c'est pas que je vous assure, vous le savez plus que moi, que les 5 ans à venir vont ramener autant de changements que les 50 ans qui sont passés. C'est évident. En ce qui nous concerne, on a pris une approche plutôt différente. On a dit, on va se concentrer sur quels sont les piliers que si on les fait, on assure que quel que soit ce qui se passe, on aurait augmenté les chances de nos entreprises, de nos ingénieurs
à réussir leur vie. Ces piliers, c'est quoi? Ces trois piliers, et on s'est très vite rendu compte qu'il y a un quatrième pilier. Les trois piliers sont très simples. Il faut connecter tout le monde, il faut connecter toutes les familles tunisiennes pour leur donner l'égalité des chances. Parce que les objets seront connectés. Je ne veux pas qu'un enfant de Séoul soit plus favorisé dans sa vie qu'un enfant de Gasly. Oui, je vous le dis et je le crois franchement. Subventionner l'internet pour les familles nécessiteuses que le sucre, parce que c'est beaucoup mieux pour eux. Donc ça, c'est le premier pilier. Le deuxième pilier, il faut absolument que nos enfants aient une éducation digitale. Il faut qu'ils continuent à être des enfants du 21e siècle, même qu'il y a un gap entre eux qui sont du 21e siècle et leurs dirigeants qui sont du 20e siècle et leur loi qui est du 19e siècle. Il va falloir bridger ce gap rapidement. Donc la deuxième chose à faire, c'est que toutes nos écoles doivent être digitales. Et la troisième chose, je ne le répéterai pas assez, c'est d'enlever ce poison de l'administration tunisienne qui s'appelle le papier. Qui s'appelle le papier parce que quand une administration aussi efficace qu'elle puisse être, elle doit signer un papier, celui qui a le stylo, c'est celui qui a le pouvoir de vous donner ce papier, et ça pourrait être un poison et pour l'administration et pour les entreprises. Et donc on a décidé sur les 5 ans à venir d'enlever le papier et d'avoir une administration paperless, sans papier.